Et bonjour tout le monde, c'est Eddy. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de Supermarket Simulator. Attends, j'ai combien de personnes qui travaillent là? Deux? Je croyais que j'en avais trois. Ah, j'ai le carton dedans. C'est quoi? Des œufs. Les œufs sont où? Sont là. Bon, je vais les aider, hein. Je vais les aider. Hop. Alors, attendez. Allez, j'ai tellement envie que les œufs soient là. Faudrait peut-être que j'en rachète aussi, tiens. Bon, alors, je suis très content parce que vous êtes assez content de ma disposition. Donc ça fait plaisir, sachez-le. Et les pommes de terre, on va les laisser là pour le moment parce que... Because it's comme ça. Alors attendez, parce que là, c'est un truc de ouf que j'ai vu. Je suis allé hier sur TikTok, là, je regardais truc. La dinguerie. La dinguerie. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Oh, mon Dieu. Oh, c'est génial, c'est génial. Désolé si je vous ai cassé les oreilles. Au passage, quelqu'un m'a dit si je pouvais baisser le son. Alors, quand il n'y a qu'une personne qui me demande, je le fais pas. Parce que ça, apparemment, ça gêne pas les autres personnes. Mais même si je voulais le baisser un petit peu, c'est impossible parce que le dev n'a pas fait tout ce qui est paramètres. Normalement, c'est bientôt, c'est dans une mâche future. Pour ce qui est... alors... J'ai essayé de faire des tests en coupant ma piste audio, son du jeu et ma voix pour augmenter la voix, baisser le son du jeu, avec Nvidia. Parce que j'enregistre avec Nvidia, je veux enregistrer qu'avec Nvidia. Ça m'a jamais fait faux bond, le logiciel est simple donc je vais pas m'embêter ailleurs. Ça sert à rien. Mais la séparation de piste chez moi a un problème donc je connais pas. Donc je suis en train de rectifier, puis je vais essayer de faire un peu plus professionnel, de séparer les deux pistes et de faire en sorte que, voilà, au cas où qu'il y a un problème, que je puisse récupérer le son du jeu ou le son de ma voix pour arranger la vidéo prochainement. Mais ça, c'est uniquement s'il y a un problème. Après, le bip du supermarché, moi, il me dérange pas. Hein. Alors là, je suis mitigé. Je suis mi-fig, mi-raisin, mi-conos. Parce que j'ai envie de faire les racks. Ah mince, bah oui, le truc il est plus là du coup, je suis con. Gestion. Embaucher. Ah, il nous faut deux racks en plus. Ok, on va prendre deux racks en plus. Pour avoir un emploi. Ah, mais je suis bête ou quoi? Pour avoir un employé en plus. Alors, deux racks. Hop. On va les acheter. On va les mettre. Alors j'espère que... Bah je vais voir ça en fait. J'espère que ça va pas les déranger. Hop, je vais mettre ça là pour l'instant. Alors je vais faire comme le magasin. Deux trucs à gauche, deux trucs... ouais. On va voir. Vous êtes où? Vous êtes là. Ouais, ça n'a pas l'air de les déranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais réarranger tout ça un petit peu. Vous avez bientôt fini, les gars, ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, le ré... Ah bah attendez, il faut que j'aille... Je vais... emboucher le troisième. Et là, il me faut 20 racks. Ok. Ça va attendre. Ok. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont quand même assez longs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les aider.
vrai, mais... En fait, comment veux-tu les aider? Je ne sais pas ce qui manque. Ah bah attendez. Ils ont fini? Ah, quand ils ont fini, c'est là? Ah ok! Ah bah ok, ils ont fini. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Hop. Ah, je peux rien poser! Non! Non! Je peux même pas acheter! What? Ça va être problématique, ça, je sens. Et là, je peux le shooter? Ah bah non, lui, il veut... Ah ouais, il veut pas du tout le shooter, celui-là. Ok, bon. Et toi, tu veux bien le jeter ou pas? Ok. Alors, ce qu'on va faire... Ah. Alors, ici, ça va être les sodas. On va pas s'embêter. Voilà. Ah, ici, ça va être les sodas. Est-ce qu'il y a des sodas autre part? Soda autre part, soda autre part. Ok. Ok, on va faire tout l'aménagement. Ça va peut-être prendre du... Ah, mais le... Punaise. Je vais pas m'y faire. Hein. Alors, produit. On va marquer soda. Et on va en prendre un de chaque. Donc, un. Ok. Ensuite. On va prendre les jus. Et l'eau. Voilà. Bon, alors ça, il le range pas, ça c'est sûr. On va mettre... Hop. Ok, c'est automatique, ça c'est cool. Faut que je fasse caf. Ça c'est un soda. Ok. Ah, punaise. Hop, le poivre là. Ok. Ok. Les frites, on va les mettre là, c'est vers le rayon surgelé, ça ira très bien. Ok. Ensuite, donc là, on a soda, 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 soda. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sodas. Non, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne manque un. Il manque un. Oh, jus de pomme, jus d'orange. Ah oui, quoi? Il y a déjà plus de jus vert là? Je vais en prendre deux, c'est vrai que ça part assez vite ça. Bah oui, il manque. Il y en a 24 en rayon. Ou alors c'est un bug. Ah non, attends. Ah non, c'est. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Ici, on va mettre les jus. Donc, jus d'orange. Et oh. Après, je vous préviens direct. Je sais pas si je vais avoir assez de place. Je range comme voilà, hein. On verra par la suite si ça convient ou pas. Et oh, ok. On efface ça. Voilà. Au-dessus, on va mettre le poivre et le sel. Ouais, j'ai une crise d'éternuement. Le poivre, on va le mettre en haut. Ça me paraît une bonne idée.
En plus, c'est bugué. Voilà. Le poivre, regardez, quand je le prends, je peux pas faire échappe pour aller dans le menu. Je le pose, là je peux faire. Donc voilà, ça c'est un bug que je vais reporter au dev. Histoire de. Ok, donc là il y a du poivre. Pourquoi c'est marqué 0? Donc ouais, le poivre peut-être qu'il y a un bug. Et qui fait même d'ailleurs bugger les gens. On a pas besoin. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que ce poivre-là et celui-là, je vais le jeter. Ouais, voilà, ça fait bugger. Et je la rachèterai moi-même. Donc sachez-le, le poivre a un bug, ok? Ensuite, on va mettre au-dessus du lait. Ah oui, le lait, tiens. Au-dessus de l'eau, on va mettre le lait. On va mettre le lait. 1, 2, et ça, on va en mettre plusieurs. Allez, acheter. Aujourd'hui, c'est rack. Hein. Ah, rack à fond. Le sprite, il est là. Le lait. Ah, en fait, c'est un peu compliqué parce que chez moi, enfin, je sais pas. Ah ouais, non, mais c'est normal que ça soit en bas, en fait. Enfin, en haut. Parce qu'en bas, on pourrait pas le mettre. Voilà. Voilà. Ça, c'est propre. Et qu'est-ce qu'on fait avec du lait? On peut faire du beurre. Est-ce que j'ai du beurre qui traîne? Non, j'en ai pas. Là, je peux mettre les yaourts aussi. On va mettre les yaourts. Voilà. Ok. Ok. Ah. Alors, c'est quoi qui te bloque? C'est quoi qui te bloque? Les yaourts? Je peux pas le poser? Ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez vu, c'est sur 12 étages! Oh, génial! Oh, le beurre, c'est sur 3 étages! Oh là là, j'avais pas vu tout ça! What? C'est génial. On va passer au gâteau bonbon, tout ça. Alors attendez, on va voir un truc. On va yaourt et beurre. Je vais prendre du yaourt et du beurre. Parce qu'en fait, c'est. Je pense que. Je pense qu'en fait que le bug vient du fait que il n'en reste qu'un dans les paquets et c'est ça qui posait problème. On va voir ça de suite. Si il y en a un qui vient. Ok, il y en a un qui vient pour mettre les yaourts. Ok, et ça bug. Ok, bon. Oh, je peux le poser là, on va le poser là alors. Parfait. On va continuer, on va ici. On va mettre alors les pizzas, on va mettre dans le rayon surgelé. Voilà. Ça. Je vais mettre là. Parce que j'en ai trop. Les gâteaux. Hop. La pizza. Attends. Ok, il y en a trop. Les ça ici. Les œufs, ça va là. Ok. On est où là? Ah oui, ici. Alors, gâteau. Donc,
1, 2. Chocolat. 1. On va prendre aussi ça. Les bonbons. Le miel. Et du coup, attendez. Ah, j'ai pas de carton pour... Oh, bon, c'est pas grave. Ça va remplir les trucs automatiquement. J'ai rien mis là? Ah, j'ai... Attends. Ah si, j'ai commandé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Hop. Donc, gâteau ici. La patate tartinée en bas avec le miel. Donc, ouais, là, ils vont les mettre parce que il y a quand même deux grosses étagères. Bon. Chocolat. Et ce truc-là qu'on va mettre ici. Ok. Après, bon, il y a les céréales là, on va les mettre là. Le grand petit-déj sera là, oui, voilà. Petit-déj avec le café. Et là, il y a un café. Hop. Il y a du surgelé encore en haut là? Des lasagnes. En fait, ouais, non. En fait, le coin petit déj sera là. Ça va là. Ok. Le sucre, on va mettre ça ailleurs. Ça, c'est les corayas, je peux pas mettre derrière. On va mettre là. Si on met quoi un petit déj ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des pizzas. On va les mettre là. Ça, c'est quoi? Des lasagnes. Pas de place pour les lasagnes, moi. On va mettre ça là. Avec celle-là. Bah vas-y, on peut mettre les pizzas en bas là. Ah, c'est pas le même. Et ça, c'est quoi? Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Ok, bon, on va mettre ça là. Ok. Donc là, petit déj. Donc il me faut du café. On va jeter tout ça. Ah mince, c'est encore des lasagnes. J'en ai des lasagnes, dis donc. Attends, non, c'est de la moussaka, ça. La purée. Voilà. Ok. Café. On va commander du café. Un, deux, trois. On va même... Un de chaque, il faut que je fasse casse à l'argent. On va commander aussi le fromage qu'on va faire maintenant. 2, 1, 2. Mozza. Un, 2. Et parmesan. Ok. Donc le café dans le petit déj. Non. Là, voilà. Ça, c'est pour me repérer aussi, parce que... On va pas se cacher. Jean-Jacques et Michel, là. Ils sont un peu longs, hein. Là, ça va être les trucs frais, œufs et fromage. Ouais, ici, c'est bon. Ah ouais, mais j'aurai jamais assez. Les céréales vont aller sur le côté aussi, quoi. La mimolette, hop.
Le café. Ok. Et fromage comté. Ok. Elle est où ma mozzarella? Tout est parti déjà? Je l'ai acheté? Non, je l'ai pas acheté. Céréales. On va prendre deux de chaque. Et puis on va prendre du pain. 1, 2. Pourquoi j'en prends deux là maintenant? Je sais pas. On sait jamais. Alors, le pain. Attendez, on va mettre à côté des céréales. Et du café. Au moins, c'est vachement plus pratique. Je suis pas tout seul à faire tout là. Donc, c'est cool. La mâche. C'est quoi ça? Ah, le café, oui. Attends, le café, il est là? Qu'est-ce que j'ai mauvais, toi? Alors, attends. Tac, voilà. Et le pain à côté. Ok. Mettre ça là. Le parmesan là. Ok. Ok. Ah, là, il y a de la mimolette. Oh oui, cool. Là, il y a du pain. Et le pain, il va ici. Ok. Là, on a la purée. Ok. Et ça, c'est quoi? Un feuilleté, machin, truc. Ok. Donc là, il nous reste quoi? Là, c'est les gâteaux, les bonbons. Ok. Fromage, il nous reste ces racks-là. Qu'on va faire avec toute la purée là. Les spaghettis à côté. On va faire les pâtes et le riz. Pâtes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fais gaffe à l'argent. Fais gaffe à l'argent. Riz. 1, 2, 1, 2. Ok. Hop. Ok. Ah ouais, je vais avoir trop de spaghettis moi du coup. Bon, je vais mettre en dessous, c'est pas grave. Nickel. Ok. Maintenant, on va passer au surgelé. J'ai tout normalement, sauf le poulet. Alors, on va prendre les gros trucs. On va prendre genre poulet. On va prendre 3. Pommes de terre, on va en prendre 3. Et le papier toilette, on va en prendre 3 de chaque aussi. Ça me coûte une blinde. Javel. 1, 2, 3.
Ok. Alors, le papier toilette, on va le mettre en bas. Là, j'avais l'au-dessus. Je sais pas si, ouais, je me comprends. Attends, alors ça, c'est ce qui me manque en... Ah non, ça, c'est zéro parce qu'il l'a pris. Ah! Tu vois? Voilà. Et la javel, on va la mettre là. On a quoi là? Une autre javel ici. Ok. Ah ouais. Les pommes de terre. On va les mettre là. Ah, j'ai compris combien de javel là? Ok. Le poulet à côté des patates. La javel blanche à côté de la javel normale quoi. Poulet. Heureusement qu'il n'y a pas les dates d'obtention encore, moi je vous le dis. Tout le monde serait mal barré. Je vais faire son job. Comme ça je saurai ce qui me manque. Et décidément les patates. Tu veux que je t'aide à remplir là? Voilà. Ok. Ok. Ouais. La farine, qui est très importante. Ça, on va prendre 2, 3, 4, 4 de chaque. Ouais. Et après, je crois qu'on va s'arrêter là. Oula! Voilà. C'est mal. Voilà. Mais je me repère. Je me repère, vous en faites pas. Maintenant, il faudra acheter de la pierre aussi. Je crois qu'il m'en restait plus beaucoup. Ok. Ok. On va checker un petit peu. Alors là, on est tout bon. Là. Oh, il manque du café. Ok, j'ai compris. Ok.
Ok, j'ai compris. Donc en gros, c'est pas outil si la flèche, enfin si le truc ne reste pas. On verra pas, tout simplement. Enfin, ils ne verront pas. Donc là, vous voyez, il nous manquait deux cafés. Là, il nous manque encore un café. Donc on va en prendre un. Café noir. Là, c'est pareil. Il nous manque deux pains de mie. Alors. Il est là et on n'en a plus. Ah si. J'ai du mal en fait à voir les étiquettes du haut. Et à me dire ça c'est un truc du qui est en haut. J'ai du mal. Oh, ok. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va en prendre un et on va le mettre là. Qu'on va mettre hop, du pain. Ok, bon. Ah, les sauces. Alors, on va acheter les sauces. Ok. Là, c'est pareil, vous voyez, là, du coin de l'œil, je l'ai vu. L'eau, elle est où? L'eau, elle est là. Bah non, si tu l'es. Voilà. Là, le lait, c'est pareil. En fait, il faudra passer derrière eux à chaque fois, juste pour mettre un truc comme ça. Pour leur dire, frère, ça, c'est du lait. Faut que ça soit aille là. Au moins que l'étiquette soit là pour indiquer que là, il y a quelque chose. Genre là, en bas, il n'y a pas d'étiquette pour la purée. Faut la mettre, quoi. La purée, c'est avec les pâtes. Où c'est que j'ai mis les pâtes, moi? Là. Hop. Donc une fois que les étiquettes seront mises, je pense que tout ira mieux. Et si je retrouve mon... Là. Alors là, c'est bizarre parce que ils l'ont pas rempli. Ah ça, c'est assez étrange. Ok, lui, il va continuer à remplir, ok. Donc les sauces... là, c'est... Ok. Alors, faut vraiment que j'arrive à me repérer. Parce que... Attends, il n'y a pas de sauce. Si. 1, 2. Ketchup. 1, 2. Et mayo. 1, 2. La bière. 1. 1. Et on va commander. Alors je vais le faire parce que il serait capable de... Voilà. Voilà. On va acheter une rack au prochain. Non! Oh, on peut mettre sur deux étages maintenant, punaise! Oh la vache! Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir mettre plusieurs étagères avec plusieurs rayons. Enfin, plusieurs étagères de produits. De différents produits. Oh là là. Ah, il faudrait faire pareil pour le pain. Et c'est pas possible. Ah, mais c'est trop bien ça. Le pain, il est là. La mayo, je crois que j'en ai plus besoin. On va ouvrir, hein. On va ouvrir. Hop. Le ketchup.
Et ça, c'est quoi? C'est la sauce piquante. Ok. Donc là, c'est pareil, je viens de voir de l'eau blanche sans rien en dessous. Alors, oh, là. Donc là, alors, on va voir. Enfin, si tu fais du lait, ça va être un mauvais exemple. Mais ouais, le beurre, on peut en mettre sur 4 étages. Yaourt sur 2. Enfin, j'achète des sushis. Ok. Ah, il y a des beaux changements. Attendez, on va prendre un paquet de farine. C'est bon, ça le met aussitôt, ça c'est nickel. Farine comme ça, je crois qu'il me faut. Oui, j'arrive. Et bonjour monsieur. Oh non, c'est pas fort le bip bip là. En fait, vous êtes pointilleux, enfin certains d'entre vous. Ça va, il est bien. Donc il va falloir des sushis. Oh, encore? Ok. 1,40. Et voilà pour vous. Mais c'est trop cool, ça remet tout seul et tout, j'adore. 15 balles. Tenez. On va faire juste une journée parce que je crois que ça a duré longtemps la mise en rayon des racks, là, je sais pas quoi. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous en avez 3 aujourd'hui, dont une de 40 minutes. Donc ça va, non? Ah si, ça va. Alors je vérifie juste si toutes les étiquettes sont bien mises. Donc là, il faudra acheter des gros sushis, des sushis. Je vais mettre... déjà. Hop. 1. Hop. 362. On va mettre ouais, du sucre aussi. Un, deux, trois. 4 et 5. Et on va prendre 2 racks en plus. Donc faut qu'on ait 1000$ un peu plus. Ok. Bon bah plus qu'à attendre le client. Ah, s'ils veulent bien de moi. Non mais c'est trop satisfaisant de voir les employés remettre en rayon et tout. Tellement satisfaisant. Madame, bonjour. Ouais, vous avez vu, j'ai embauché. Hein. C'est cool. Hein. Alors, moi, je suis pour tout ça, justement. Aider les jeunes à trouver leur premier boulot. Et puis, après, vous savez... ouais, d'accord, on va voir, ok. Monsieur, bonjour. Il y a des débouchés hein, dans... Je peux devenir manager de mon magasin plus tard. Moi j'ouvrirai un autre magasin et d'accord, ok. Pas très bavard les gens. Madame, bonjour. Hop. Faudrait que je fasse aussi les produits d'entretien. Et on va les commander notre panier. Du coup, on va mettre ça. Alors, comme ça. Alors le sucre là,
Et les sushis ici. Oui, j'arrive. Voilà, ils sont en train de faire. C'est parfait. Hop, j'allume. Voilà. Madame, bonjour. Faudra que je fasse l'entretien aussi. 77, 5. 50, 60, 70, 75, 70. On vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Ah ouais, que pour ça, quoi. 10,70. Tenez. Ah, c'est 4 du monde, ça fait plaisir. 5 centimes, voilà pour vous. Monsieur, agent K. 70 centimes, 50, 60, 70. Tenez. Petit sushi pour ce soir, c'est ça? Vous aviez la flemme de cuisiner? Ouais, je comprends, je comprends. Moi, quand j'ai la flemme de cuisiner, je fais des pâtes chinoises. Hop, 1,60. Waouh, 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 j'allais dire. Oulolo, oulala, oulala. Faut te réveiller là, mon gars. Faut que je me réveille. Attendez, on va mettre les. Ça, c'est les sushis. Ouais, il faut deux racks en plus pour truc d'entretien et tout là. Alors, pourquoi je mets pas de lumière? Pourquoi j'en mets pas des masses? Deux raisons. La première, parce que je sais pas trop quel est le lien avec les factures d'électricité. Le deuxième, il est très simple, c'est que si vous voulez voir continuer la série, il faut que j'évite d'en mettre deux partout, car la lumière fait chuter grave les FPS et au bout d'un moment je pourrais plus jouer. Donc en fait on va prendre une ambiance tamisée pour le jeu pour le moment. Parce que j'en ai vu, ils ont mis énormément de lumière mais c'était pas... Voilà, ils avaient des problèmes. Enfin là j'en mettrai, hein. Je vais en mettre quand même là, je vais en acheter. J'en ai acheté deux, mais voilà quoi. C'est un faux billet, madame. Je suis sûr. Bon, je fais quoi en attendant? Du coup, maintenant, mon rôle, ça va être la caisse et puis de faire les commandes. Ok. Entretien. Non. Nettoyant. Ah, on va en prendre deux. On va en prendre deux. On va en prendre un. Papier toilette aussi, il faudra en prendre. Et on est quasiment 47, hein, on avance. Hein. On avance. Et du coup, la prochaine expansion, ça va être ça. Du coup, je pourrais faire un grand coin surgelé. Ouais. Et remettre mes patates au fond. En fait, mon magasin va être hyper grand à la prochaine licence, donc ça va être cool. Avec un peu de chance, on aura aussi pas mal d'argent. Donc, ouais. Ça va être sympa. J'ai hâte. Et il n'y a plus de carton au-dessus des frigos, donc Monsieur Frigo pourra plus dire que je casse les frigos. Du coup, vu qu'on a le stockage, on peut essayer de faire quelque chose un peu plus réaliste, on va dire.
Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qui rappelle vraiment un magasin pour le coup? Perso, je sais pas. C'est bon, vous avez fini? Ok, cool. Hop! 56 clients contents. On a dépensé beaucoup de pognon. Mais c'est pas grave. On va commencer la nouvelle journée. La bouteille, mon cul. Ah! Je rigolais comme un con et du coup, j'ai pas fait gaffe à ce qui. 3,45. Attendez, on va regarder. Hop. Alors. Le comté a augmenté. Le coca rouge diminué. Comté augmenté. Coca. Comté. Comté. Coca rouge. Comté. Coca rouge. Comté. Coca rouge. Comté coca rouge et papier toilette. Comté coca rouge, 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 papier toilette. Tu me. Bah, il est où mon coca rouge? Ah, bah oui, il est là. Devant le mag. Bah oui. Coca rouge, papier toilette. 14h30, 15, 15, 15. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais commander. Bah, ça, je vais le commander avec vous, comme ça sera fait. Hop, je vais mettre les racks avec vous et on va s'arrêter là pour le moment. Hop. Voilà. Et donc, on va mettre ça, des choses là. Ça à côté. Ce que je vais faire, c'est. Hop. C'est quoi ça? Ah oui, le plafonnier. Qu'on va mettre ça ensemble. On va mettre ça là. Attendez, on va le mettre au fond celui-là. Voilà. Et un entre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les commandes off. Et puis je vais faire en sorte de que les gens rangent tout parce que c'est quand même un peu lent. Et je vais ouvrir quand ils auront quasiment fini. Et je vais vérifier aussi tous les rayons qu'il y ait bien une étiquette. Genre ça, je vais l'enlever. Histoire de. Histoire que qu'il n'y a aucun problème avec les. Ah ouais, il faudrait. Ok. Ouais, il y a plein de choses à regarder. Bref, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.